Les jeux de société, c'est formidable et on peut en acheter à tous les budgets. Que ce soit les gros jeux à plus de 100 euros ou des jeux plus abstraits à moins de 20 euros. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui, on va parler des jeux de société les plus chers. Et on va aller croissant du moins cher au plus cher. Et je vais enlever ça, je sais pas pourquoi il est sur mon bureau. Cthulhu Wars est un jeu de stratégie dans lequel vous jouez des dieux venant de l'univers de H.P. Lovecraft. Il y a beaucoup de figurines et certaines vont jusqu'à 180 mm. Tous les composants sont méga jolis, mais une copie du jeu vous reviendra pour la modique somme de 170 $. Oui, pendant toute la vidéo, je vais mettre les prix en dollars parce que ce sera plus simple. Et comme l'euro et le dollar sont plus ou moins équivalents à l'heure où je tourne cette vidéo, pour la conversion, ce sera plus simple. Mais gardez en tête qu'avec l'import, certains jeux sont peut-être encore plus chers. Ah, Warhammer, c'est vachement sympa. Mais ça coûte un bras, faut être honnête. Et dans la droite lignée de ça coûte un bras, on a droit à la boîte Warcry Catacombe qui coûte 210 $. Bon. Pour ça, vous avez des figurines magnifiquement sculptées. On peut dire que Warhammer, ils sont dans leur meilleur jour en ce moment, en termes de sculpte, j'entends. Vous avez aussi des décors et des règles. Oui, parce que les règles des systèmes de jeu chez Game Workshop, en fait, elles sont vendues à part, en général. Non, vous n'avez pas la possibilité d'acheter juste des figurines et de trouver un PDF gratuitement en ligne sur leur site. Non, non, faut acheter un bouquin en plus. Et vu que les prix de Game Workshop augmentent chaque année, on n'est pas à l'abri dans quelques années de payer une boîte Warhammer le prix d'une Xbox One. Neuve, avec des jeux. Et un abonnement Game Pass. Et une deuxième manette. Bon alors, Catan, c'est un classique du jeu de société, et on peut dire que beaucoup de gens adoreraient avoir une autre version de Catan avec des composants un peu plus qualitatifs. Alors, cette version existe, elle s'appelle Catan 3D, et oh mon dieu, 300 $. Bon alors, j'espère que pour ce prix-là, il y a un mec qui vient chez moi m'expliquer les règles du jeu. Apparemment pas. Du coup, le jeu, il vient avec plein de petites figurines toutes mignonnes. Bon, tout ça, c'est très chouette, mais est-ce que vous avez déjà vu un Catan? C'est un tout petit board hexagonal, le truc, comment ça peut coûter aussi cher? Bon alors, dans cette vidéo, j'ai essayé de pas mettre de jeu en Kickstarter avec des stretch goals, parce que je trouve que c'est un petit peu de la triche quand même. Mais ce jeu est tellement dur à acheter, que ce soit entre les Kickstarter, les out of print, etc., que j'ai décidé d'en parler quand même. Kingdom Death Monster, c'est un jeu de figurines coopératif. Le jeu a une grosse cote d'estime de par sa rejouabilité et de par ses mécaniques. Mais alors, il est déjà juste uniquement disponible sur le site de Kingdom Death et il coûte 350 $. C'est le prix de base sans extension ni rien. Ouais, ça commence à être un petit peu dur à avaler comme pilule, même si c'est pas le plus gros souci avec Kingdom Death en fait. Non content de proposer un jeu cher, difficilement achetable, il n'y a pas non plus de PDF pour lire les règles du jeu. Et ils attaquent aussi violemment quiconque essaierait de les transcrire. On pourrait aussi parler de la controverse avec leur figurine pin-up, mais c'est un autre débat, qu'on aura peut-être un jour d'ailleurs. Et je me demande sincèrement si le jeu est bien, ou si sa rareté crée une espèce de hype et d'aura de mystère qui fait que quand les gens ont la boîte du jeu, ils trouvent ça forcément formidable. Bon, bah ça je sais pas parce que j'ai pas le jeu et j'ai pas 350 $ à mettre dans un jeu qui n'est pas foutu de fournir un PDF explicatif de ses règles. Ticket to Ride, c'est un bon jeu de société et c'est pas cher. Ça introduit énormément de monde aux jeux de société, peut-être que vous, vous avez commencé avec Ticket to Ride, mais cette version-là de Ticket to Ride, elle coûte 550 $. Non pardon, je suis mauvaise foi, elle coûte 549,99 $. Et ça vous laisse un centime que vous pouvez mettre de côté pour pouvoir acheter les règles PDF de Kingdom Death. Ah bah non. Ah bah non, bah non, bah non, mais je suis con, pardon. Ticket to Ride 10e anniversaire, en tout cas, est une version massive du jeu, avec des pions hautement détaillés et des petites tin box en métal pour les contenir. Bon bah j'espère que pour le prix, ils ont corrigé l'emplacement de Minneapolis sur la carte. Attendez, on me dit dans l'oreillette que pas du tout. Non, non, Dallas est toujours à la place de Minneapolis sur la carte. Bon bah, paye ta version de Ticket to Ride où Minneapolis est pas à la bonne place. D'ailleurs, si vous voulez jouer à Ticket to Ride, mais que vous voulez pas acheter la version à 550 $ qui coûte un bras, y a mon Discord dans la description. On organise des sessions de Tabletop Simulator toutes les semaines, et on joue de temps en temps à Ticket to Ride. Bon bah tout ça c'est très chouette, mais niveau jeu, avec des prix vraiment débiles, qu'est-ce qu'on a? Deluxe Outrage est une version premium de Outrage sortie en 92. Et c'est ce jeu qui détient le Guinness Book des records du jeu de société le plus cher avec une sortie commerciale. Bravo à lui. Ouais, le jeu pouvait être facilement achetable à l'époque, hein, enfin si vous aviez l'argent. Elle contient des pièces de 10 carats d'or, d'argent sterling, et elle est incrustée de rubis, saphir, émeraude et bien entendu autres diamants. Par contre, le jeu est naze. Genre vraiment naze. Ouais, il est noté en dessous de 5 sur BGG, et croyez-moi, en général, c'est pas un bon signe. Donc vous vous rendez compte que le truc coûte 13 000 $? Vous savez combien de règles de Kingdom Death Monster vous pouvez acheter en PDF pour ça? Ah ben non, ah ben non. Ben non, 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 mais non, mais ça rentre pas, hein, je suis désolé. Donc je récapitule, un jeu naze avec plein de métaux précieux et d'incrustations qui coûte un bras. Ce serait rigolo qu'il fasse ça avec... Oh... Ok.
Ok. Cette version du Monopoly a été faite par l'artiste américain Sidney Mobel. Artiste mais aussi philanthrope. Ouais, il faut pouvoir le payer le Monopoly à 2 millions. Hein. Bon, du coup, c'est fait comme le jeu d'avant, hein, c'est incrusté d'or avec plein de pierres précieuses et autres trucs de riches. Des trucs de riches. Bon alors du coup le jeu il est pas resté longtemps avec Monsieur Mobel, il est maintenant parti au Smithsonian. Mais bon alors on rigole, on parle du Monopoly, mais la seule raison pour laquelle il y a une version en or, parce que c'est le jeu de société le plus connu. Alors que dans un univers parallèle, on aurait pu avoir autre chose. Genre un SOS Quiz City pimpé de ouf avec des rubis et tout. Ou bien un Warhammer 40 000 en or. Ah oui, enfin, ça reste conforme avec leur prix après. Ou bien soyons fous, dans un univers parallèle, on pourrait avoir une règle en PDF de Kingdom Death Monsters. Ah, bah oui, mais non, bah toujours pas. Bon, avant de vous présenter le jeu le plus cher dans notre liste, on va d'abord aller faire un petit tour du côté du Scrabble. Parce que ma grand-mère regarde et qu'elle adore le Scrabble. Coucou mamie. Bon alors on a deux Scrabble sur notre liste. Le premier Scrabble est un partenariat fait avec Swarovski. Bah ouais, pour fêter un mariage de 60 ans, on appelle ça des noces de diamants. Et du coup, pour les 60 ans du Scrabble, Swarovski a fait une version spéciale incrustée de cristal pour la modique somme de 20 000 $. Mais c'est pas le Scrabble le plus cher qui revient à une version très précise. Bon ok, je vous mets le décor. En 2012 à Prague se tient le festival des sports intellectuels. Et ça rameute beaucoup de participants qui doivent s'affronter par exemple dans du backgammon, du bridge, du poker ou bien League of Legends. Et l'un des jeux les plus intéressants c'était le Scrabble. Non si en fait, non mais vous imaginez l'odeur? Pardon, je disais l'un des jeux les plus intéressants dans ce festival, c'était un Scrabble très spécifique. Ouais, en fait, il était tellement spécifique qu'il était fait en carbone et avec des lumières LED. Chaque pièce, en plus, était composée d'une puce RFID qui, quand posée sur le plateau envoyait l'information directement dans le net. Et on estime que le prix du Scrabble a coûté plus de 30 000 $. Ça fait quand même beaucoup pour un Scrabble. Mesdames et messieurs, il est temps pour nous de parler du jeu de société le plus cher jamais construit. Enfin, le plus cher jusqu'à l'édition 24 de Warhammer 40 000 qui devrait être le jeu le plus cher du monde. Il s'agit d'un jeu d'échecs fait en 2005 par la compagnie Boodles. Boodles. C'est un nom de chien, c'est pas un nom de compagnie prestigieuse. Pardon, je m'égare. Bon, alors là, c'est simple, hein. Les pièces sont faites d'argent et de platine. Et la petite particularité du jeu, c'est qu'il a presque 1000 diamants, rubis et saphirs incrustés dedans. Presque. Toutes les pièces du jeu sont sculptées avec une précision de mètre dans une forme hélicoïdale. Le tout nous ramène à un jeu qui coûte 9,8 millions de dollars. Ouais, c'est le plus cher. Enfin, j'espère. J'espère carrément que c'est le plus cher. Bon. Du coup, je vais vous montrer un truc. Ça, c'est Dudule. Dudule est un homme lézard. La boîte pour l'acheter coûte un peu moins de 30 euros et dedans, il y a 5 autres Dudule. Ne faites pas des trucs trop chers, débiles. Soyez comme Dudule. En tout cas, ça va conclure notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie fortement de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et un petit commentaire. Dans la description, n'oubliez pas, il y a mon Discord si vous voulez venir discuter avec nous ou jouer à Tabletop Simulator. En ce qui me concerne, je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine. Ciao.